Alors, dans cette vidéo, on va donner les différentes techniques pour faire ce qu'on appelle de la data augmentation, qui vont nous permettre de générer davantage de données pour que nos réseaux de neurones aient des performances qui soient meilleures. Alors, la roadmap va être la suivante. Déjà, pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces données supplémentaires? Alors évidemment, ces données supplémentaires, elles vont être un petit peu fake, elles vont peut-être un petit peu simulées, puisque on a des jeux de données réelles. Si on peut en avoir plus de données réelles, ben, s'il vous plaît, amenez-les et le réseau marchera mieux, puisqu'on a vu, plus on a de données, plus ces machines ont des performances élevées. Toutefois, on va voir que la situation est un petit peu plus subtile et on va voir qu'il y a différentes manières d'augmenter ces données. Et on va pas, toutes les données sont peut-être pas également utiles pour améliorer les performances d'un réseau de neurones. Donc on va voir des méthodes par de la data augmentation, de la simulation, comment réduire l'écart qu'il peut y avoir entre des données simulées et des données réelles. On va voir ce qu'on peut faire avec des modèles génératifs et puis on aura un use case à la fin qui va nous permettre de comparer les différentes approches sur un même cas d'étude, en l'occurrence avec de l'imagerie pour les plantes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'augmenter le nombre de données en deep learning? Alors, on se rappelle de ce schéma, hein, dans l'ère du deep learning, non seulement l'étape de classification ou de régression, donc l'étape d'extraction d'informations finales, est optimisée par la machine, mais également l'étape d'extraction de features, ce qui veut dire que on a, avec ces réseaux de neurones de type deep learning, davantage de paramètres à ajuster, puisqu'il y a davantage de choses à faire apprendre à la machine. Ce qui veut dire que, on retrouve cette courbe, on a des performances qui augmentent à mesure qu'on augmente le nombre de données, mais qu'il en faut un certain nombre pour arriver à les faire. Alors, si vous essayez d'annoter à la main une centaine d'instances, une centaine d'images, une centaine de pixels, c'est jouable. 10 000, ça va commencer quand même à piquer un petit peu, et c'est empiriquement le seuil que l'on trouve pour un passage où le deep learning fait significativement mieux que les méthodes de machine learning. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la taille du dataset ImageNet, qui historiquement a permis ce shift de machine learning classique vers le deep learning, il y avait 1 million d'images, donc 10 puissance 6. C'est-à-dire significativement plus que ce moment où les deux courbes se croisent, qui est autour de 10 puissance, autour de 10 puissance 4. Donc, on va essayer de faire ça, mais 10 000, des fois, ça fait un petit peu mal. Donc, peut-être si on pouvait aller jusqu'à 1 000 instances à noter et qu'on pouvait, par data augmentation, gagner un facteur 10, alors, quelque part, on aurait gagné un petit peu un effort, voire pourquoi pas 10 puissance 6, hein, donc, data augmentée. On a déjà dit qu'il y avait un intérêt, hein, ces aspects de deep learning, puisqu'ils permettaient de réduire considérablement le temps de développement. Mais le goulot d'étranglement, on le répète ici, est évidemment l'annotation des images. Alors, il y a différentes manières d'accélérer l'annotation. On va en travailler certaines dans ce cours. Mais l'une d'entre elles, c'est de faire apprendre sur des images générées automatiquement, de manière à ce que finalement cette vérité terrain soit automatiquement générée, qu'on n'ait pas besoin de dire, ah ben c'est ça qu'il faut que tu regardes, monsieur le réseau de neurones, dans cette image. Alors une autre motivation pour la data augmentation, supposons que vous veniez de trouver une architecture super cool qui semble faire exactement ce que vous voulez faire, par exemple sur Archive. Alors je répète que le format des codes qu'on va vous passer pour les TP, eh bien, sont ceux qui sont ceux de l'état de l'art, c'est-à-dire les chercheurs aujourd'hui donnent leur code sous un format actuellement qui est de type Jupyter Notebook avec programmation dans des variantes de Python. Donc supposons que vous ayez un super réseau et que vous ayez une database qui ne soit pas ImageNet, parce que vous n'êtes pas Google et vous n'êtes pas les GAFAM. Donc ça peut être intéressant de réfléchir au nombre de paramètres que votre réseau va devoir apprendre. Donc, admettons que vous ayez une taille, on va dire, typique des tailles des datasets qu'on peut faire facilement quand on est tout seul. Donc typiquement, allez, un database de 2 000 images, ce qui est déjà pas mal pour démarrer.
et que vous avez une structure comme celle-ci, alors on va compter le nombre de paramètres que le réseau de neurones va avoir à apprendre. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches de convolution. Et à chaque fois, si on prend des filtres de 5, donc de 5 par 5, avec un stride de 1, ben ça nous fait 760, on l'avait déjà calculé dans une précédente vidéo, 760 paramètres par couche. 760 donc à multiplier par 6, donc ça nous fait 4560 paramètres qui sont supérieurs en fait au nombre d'images que l'on a. Donc on voit bien intuitivement qu'on va avoir un risque de surapprentissage si on reste avec seulement nos 2000 images. Donc pour éviter ce surapprentissage, cet overfitting, soit on va décroître la capacité du réseau, soit en faisant décroître le nombre de couches, en faisant décroître le nombre de filtres, soit on augmente le nombre de data. Alors, l'idée, c'est qu'en augmentant le nombre de data, si on est sur un problème typiquement où la complexité n'est pas infinie, hein, comme par exemple compter des maladies sur des feuilles ou reconnaître des types de plantes, etc., c'est beaucoup moins complexe, on va dire, que toutes les tâches qu'on donne à la voiture autonome, et la diversité des situations est bien moindre d'une certaine manière, même si elle n'est pas nulle, hein, même si c'est une tâche qui est délicate. Donc l'idée, c'est que, en fait, sur ces tâches d'ingénierie, on va avoir à un moment donné un plateau, une saturation de la performance. C'est-à-dire que au début, plus on augmente les données, plus les performances augmentent, et puis au bout d'un moment, ben, finalement, le réseau a vu un peu toutes les situations auxquelles il est susceptible d'être confronté, et donc ben, il n'y aura plus de gains de performance. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est en partant d'un autre jeu d'images annotées, et typiquement 2000, arriver jusqu'au plateau pour bénéficier d'un gain de performance avec le jeu de données augmenté. Donc ça va être l'objet de ce cours, de voir comment on va pouvoir faire cette augmentation. Alors pour comprendre comment on va pouvoir augmenter les données, on peut revenir sur ce schéma qui découpe le réseau de neurones en deux étapes. D'abord des couches cachées qui sont concaténées les unes derrière les autres, convolution, relou, pooling, convolution, relou, pooling, une structure qu'on a déjà vue ensemble. Puis ensuite, à la fin, éventuellement, si on veut faire une classification, on va dérouler le tenseur et on va connecter les différents nœuds de ce tenseur avec un réseau de neurones classique pour prendre une décision à la fin. Alors, bon, typiquement, hein, on avait déjà vu, hein, plus on va profond, plus on a des motifs de haut niveau de prise de décision. Et donc, on va avoir un espace dans lequel, quand on est ici, dans la partie à la fin des couches cachées, on va être dans un espace qu'on appelle l'espace latent. Donc, cet espace latent, c'est ce qui se passe ici à la fin de la première étape. Cette étape, elle fait quoi? Elle extrait des features et en même temps, elle en réduit la dimension. Réduit la dimension parce qu'on fait du pooling. Et puis, elle extrait des features parce qu'elle prend, avec ce pooling, un contexte de plus en plus grand. Donc, elle prend un contexte plus grand avec une dimension plus petite. Et donc, il y a un espace sur lequel va se faire la classification, qui est un espace à faible dimension. Où les données sont, on l'espère, structurées d'une manière relativement simple à traiter. Donc cet espace, on l'appelle l'espace latent. Et l'idée qu'on se fait du réseau de neurones, c'est qu'au début, la situation est complexe. Donc si on regardait les données sans avoir fait toute cette opération hiérarchique de convolution, pooling, relou, etc., on a les données qui sont intriquées les unes dans les autres et qu'à la sortie dans ce latent space, les données sont séparées les unes des autres. On voit ici l'allure du latent space avant la classification, après l'étape d'extraction de features du réseau de neurones de net qu'on a déjà décrit, quand il est soumis au jeu de données de type MNIST sur lequel on a déjà travaillé. Après une étape de réduction de dimension, donc on voit qu'effectivement les nombres 2 sont un petit peu dans un coin, les nombres 9 sont un petit peu dans un coin, ça a l'air plus ou moins structuré et on ne voit pas des points qui sont tous mélangés les uns des autres. On a l'impression de voir une structure de données avec des clusters qui correspondent ici aux différents chiffres qu'on veut classer. Donc l'étape de classification va sans doute bien se passer. Alors l'idée de la data augmentation, on peut la comprendre dans cet espace latent et de se dire que grosso modo, si on arrive à placer un petit nombre d'images qui sont représentatifs
des centroïdes, hein, de ces clusters. On va pouvoir faire un petit peu comme si on faisait du pastel. Si on data augmente là-dedans, on va pouvoir finalement synthétiser d'autres images qui vont avoir des propriétés les mêmes propriétés que les centroïdes de départ, mais avec quelques petits défauts supplémentaires. Et donc, on va se retrouver à pouvoir générer finalement, comme si on faisait du pastel et qu'on étalait autour de points typiques centroïdes. On va pouvoir générer les différentes stratégies. Ça va être de générer automatiquement des données fake pour finalement remplir l'espace latent d'une manière réalistique, d'une manière réaliste. Et comme on ne sait pas le faire dans l'espace latent, c'est-à-dire faire comme le geste que je fais là de dire on va faire du pastel, moi je ne sais pas le faire dans l'espace latent. Par contre, je sais le générer dans l'espace image. Si je sais que mon image, elle était acquise sous un certain éclairage, mais que l'éclairage peut fluctuer, je peux générer des fluctuations d'éclairage qui sont susceptibles de se produire dans mon dataset de test ou dans la vraie vie. Et donc, je vais pouvoir finalement rajouter des points dans mon espace latent qui sont susceptibles de se produire réellement. Une autre manière, c'est d'utiliser des données existantes avec un espace latent similaire et de modifier cet espace latent pour ajuster le problème. Donc de partir d'un espace latent déjà existant et de le modifier pour que ça colle avec notre problème à nous. C'est un peu plus difficile à comprendre, mais on va voir différentes stratégies pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour remplir cet espace latent? Eh bien, on va essayer d'ajouter des invariances ou des covariances typiquement attendues dans l'image. Donc, par exemple, ici, si je veux prendre une image en entrée et que je veux sortir le nombre de feuilles qu'il y a dans cette image, donc une image d'Arabidopsis, je souhaite que si l'Arabidopsis est tourné de 90 degrés, le nombre de feuilles soit invariant. Et donc, je vais pouvoir rajouter de l'invariance à mon jeu de données en entraînant le réseau de neurones, pas uniquement avec les images de départ, mais aussi avec leur version tournée de 90, de 180 ou autant d'angles que j'ai envie de faire pour faire en sorte que je vais finalement remplir mon espace de latent avec ces données-là générées avec ces transformations géométriques. Une autre manière de faire, eh bien, c'est lorsqu'on peut avoir de la covariance. Donc, par exemple, ici, vous avez pour des applications de voitures autonomes la possibilité d'avoir un effet miroir. Donc, si je prends l'image miroir, eh bien, à ce moment-là, si je veux faire une segmentation des voitures, sol, building, ciel, etc., il faut que la vérité terrain, elle aussi, soit tournée enfin, et un effet miroir. Par rapport à l'axe vertical. Et donc là, il va falloir qu'on rajoute de la covariance à ce genre de transformation. Donc quand on change l'image, il faut que ici la vérité terrain change, ce qui n'était pas le cas pour ce comptage de feuilles, où en changeant, en tournant l'image, le nombre de feuilles devait être invariant. Donc on peut rajouter de la robustesse, on peut remplir notre espace latent, rajouter en rajoutant la robustesse. En le remplissant avec de nouveaux exemples, à partir des exemples déjà existants, avec ces aspects d'invariance et de covariance. Alors, on va voir maintenant, dans une prochaine vidéo, comment est-ce qu'on peut faire ça avec ce qu'on appelle de la data augmentation.